La commission électorale et application numérique, représentée par son deuxième vice-président, Étienne Oponon, a procédé à la remise officielle de 54 241 cartes à la direction du parti, représentée par le président exécutif, Hubert Houlahi, d'Amada Diapikas, secrétaire général, et de l'honorable Thierry Jean-Gervais, vice-président exécutif. Cette remise a eu lieu le vendredi 24 mars 2023 au siège du parti à la Riviera 3. Je voudrais saluer la commission électorale d'application numérique qui non seulement a réussi à fournir les cartes, mais nous assure aujourd'hui être à la dimension de nos attentes en termes de matériel, en termes de capacité de production, n'est-ce pas, de nos cartes. Voilà, nous prenons les félicitations et à travers toi, c'est toute la commission électorale, beaucoup de nos camarades viennent ici pour demander mais nos cartes, ils viennent nous voir, il y en a même qui font des réclamations. On leur a toujours dit d'être patients. Je pense qu'aujourd'hui nous sommes en mesure de les rassurer. Et c'est une très bonne chose, parce que avoir sa carte au moment où nous allons à la fête de la Renaissance, je crois qu'on ne pouvait pas faire meilleur cadeau à nos militants. Certains même viendront pour dire, moi je m'en vais à la fête pour pouvoir repartir avec l'académie. Bravo à vous, merci, et je voudrais, je ne vais pas rallonger, souhaiter à vous tous bonne continuation. Selon Étienne Oponon, ces cartes concernent 60 fédérations réparties sur 13 régions. En plus des machines de confection de cartes, la commission électorale et application numérique dispose désormais d'une imprimerie, informe le vice-président Oponon. Avec ces imprimeries numériques, nous pouvons faire des fiches A4, A1, A0 et même nous pouvons produire des affiches 12 mètres carrés. Donc, la commission électorale et application numérique aujourd'hui est prête à recevoir tout type de commandes. Le PPAC doit être fier de savoir qu'ils ont en leur sein une capacité de production de tout ce qui est type numérique, tout ce qui est affichage. C'est pour cette raison que je lance encore cet appel pour demander, dans peu de temps, nous allons aller aux élections, que tous ceux qui sont candidats, que tous qui ont, toutes les personnes qui ont des documents à produire, pour aujourd'hui, on parle de la fête de la Renaissance, pour toutes les activités, il faut saisir la commission électorale de l'application numérique pour qu'elles mettent à votre disposition leur capacité de production. La commission électorale et application numérique est dorénavant capable de répondre aux besoins des militants en matière d'imprimerie.